Il était dense parce que voilà, justement, fallait fermer un peu tout ça et c'était pas simple comme album en fait. Vraiment, pour moi, c'est un des plus denses avec le premier en fait. Et on voulait pas non plus continuer la série, enfin, avec en toile de fond ce qu'on avait, on avait ébauché. Donc en gros, là, ouais, c'est une espèce d'album qui boucle 6 tomes. Je crois qu'on a, on n'a pas répondu à tout, mais en gros, voilà, ça ferme un grand cycle. Sylvain et moi, on travaille là-dessus au fur et à mesure. Donc on fait les histoires en 2 tomes. Et c'est vrai que sur celui-là, c'était bien de pouvoir répondre. Comme il y a la petite sœur qui revenait, et ça nous faisait revenir sur l'attentat de Prague. En gros, on fait la boucle. C'était prévu qu'il y ait des personnages, enfin bon, c'était prévu, mais en gros, on n'avait pas prévu de faire ça comme ça. Et dans le 6, on a eu une première version que j'ai faite. Donc c'était tellement dense, c'est tellement... c'était pour ça que c'était compliqué en fait de terminer. Donc oui, on avait ébauché une autre possibilité dans les 20 dernières planches de ce dernier épisode là. Bon, pas vraiment 11 ans, j'ai commencé en 2005. Ouais, ça fait 10 ans quoi. Il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas de fatigue. Si, il y en a. Mais, enfin, imagine pas, tu travailles pendant 10 ans non, sur un truc, tu vois. Évidemment, je suis pas un bosseur, je bosse pas tous les jours non plus. Hein. Donc en gros, je m'en dégoûte pas. Tu vois. Et puis il vaut mieux avoir envie parce que sinon tu le fais pas ce truc. Hein. C'est vraiment un truc. Enfin moi je sais pas comment font les autres, mais faut quand même avoir envie. Hein. Si t'as pas envie, tu vas en chier quoi. Tout est plaisant, finalement. Une scène intimiste, bon il y a des trucs qui sont un peu chiants, où tu te retrouves quand même avec des scènes qui sont à l'intérieur et qui sont un peu compliquées si elles durent longtemps. C'est vrai que c'est là que tu te dis qu'il faut quand même peut-être voir à bien penser tes décors, parce que c'est vrai que si tu tournes dans une petite pièce et qu'elle est con, si t'as pas bien pensé ton histoire, ça risque d'être chiant au bout de... Enfin, moi j'aime bien les lieux en général, j'essaie de m'y attacher, mais... j'aime bien toutes les scènes, hein. Franchement les scènes d'action, les scènes intimistes, un peu plus tranquilles. J'aime bien aussi poser les choses. J'ai pas de problème avec ça en fait. Moi ça doit servir le récit, s'il n'y a pas besoin d'en mettre, quoi. Tu vois, s'il n'y en a pas. On va pas en mettre parce qu'il en faut quoi. Je développe des choses avec Sylvain, mais en gros, c'est vrai que c'est souvent des concepts que j'amène après écriture en fait, qui viennent se calquer sur son. C'est des concepts, je fais pas de recherche. J'ai plein de trucs comme ça où je dessine, tu vois, il y a moult choses et. Je sais pas comment t'expliquer, c'est. Il n'y a pas de schéma précis, quoi. Tu vois, on n'essaye pas non plus d'en remettre, d'en rajouter à chaque fois pour en rajouter, quoi. Tu vois, bah, c'est au fur et à mesure de l'écriture même, parce que finalement, moi je fais des petites recherches avant d'entamer chaque séquence, quoi. J'aime bien même prédécouper mes séquences avec une recherche de design de personnages. Enfin tu vois, c'est tout ça, c'est mélangé sur les grandes feuilles et c'est pas encore des pages de bande dessinée quoi. Mais c'est déjà une immersion dans le lieu, dans j'essaie d'avoir des approches sur le lieu, les designs des personnages ou les races, enfin bref. Ouais, même carrément, ça s'est fait au dernier moment. Bon, je suis pas quelqu'un qui cherche beaucoup, machin, tu vois. J'aime bien bosser de façon assez spontanée et dans le speed. Je suis un peu paniaque, moi, tu sais, faut que ça... Bah, je veux pas la pression, mais j'aime bien... Enfin, je sais pas que j'aime ça, non, mais c'est comme ça. Je constate que je m'organise une espèce de panique. C'est comme ça, quoi. Il faut que ce soit speed, il faut que ce soit chaud pour moi, quoi. Sinon, je branle rien, je suis là, Mais j'aime bien rien foutre aussi, hein. D'accord. C'est peut-être pour ça que je peux faire ça comme ça, tranquillement. Oui, mais enfin, on peut pas dire qu'on lui a donné le beau rôle. On peut pas dire qu'il a été vraiment décident. Donc il est quasiment moitié mort. Avant, il prend pas de décision. Enfin, quand même, franchement, ça n'a pas été. Donc c'est un peu son album. Là. Et puis Christina, oui, évidemment. Non, la petite sœur, c'était bien parce que c'était ça. On l'a ramené parce qu'elle, elle est, c'est un peu l'opposé de Caleb. Hein, en fait, elle est. C'était. C'était pas pour ramener une dualité en plus, hein. Non. C'était pour continuer justement. Moi j'y pensais depuis le début, hein, cette petite Christina. Même au départ, elle devait même se faire tuer. Mais au début, quand on a commencé à écrire le cycle, il me semble que c'était Mesoki qui devait la shooter à un moment donné. Bah, parce que moi je les sauve les personnages, tu comprends? Parce que les scénaristes, ça n'arrête pas de tuer les personnages, moi je les sauve. J'en ai sauvé au moins deux là déjà.
Parce que les mecs, ils sont là, ils se disent, tiens, je vais tuer celui-là. Allez, hop. Ça, c'est purement graphique. Hein. Alors là, ça vient d'où, j'en sais rien. C'était histoire d'avoir quelque chose de ces... C'est un peu comme mes hoquets, c'est impalpable, quoi. J'aime bien ce côté noir aussi avec le traité un peu couleur directe, ça je trouve que ça marchait pas mal. Et puis c'est des espèces de masques un peu flippants, quoi, un peu assez impalpable, quoi. Mais ok, c'est pareil, quand j'ai commencé à chercher ce personnage là, j'avais fait des pupilles, tu vois, au niveau des yeux. Et je l'ai viré, quoi, j'ai tout viré. C'était V, quoi. Comme ça, du coup, elle devient plus vraiment, t'arrives pas à choper son... Il n'y a pas de regard, quoi, elle est là, devant toi, et t'arrives pas à passer à travers, quoi. Et là, les masques, c'est pareil, c'est quelque chose qui t'arrive pas... C'est à la fois complètement... c'est simple, quoi. Mais t'arrives pas à passer non plus à travers, et puis c'est flippant, ils sont un peu flippants, ils sont là avec leurs dents à la con. Bah disons que c'est... non mais il fallait qu'on tape fort, l'autre ça a été le légume pendant deux albums, trois albums, tu vois, il prend pas de décision, il a rien, on a dit bon là c'est son album, ok d'accord. Alors il arrive sur la couverture et... Bah là en couverture on s'est pas gêné, hein. On a mis le paquet, mais en gros... c'est pas ça le propos, quoi, tu vois bien. Oui, j'ai bien compris. C'est pas un super héros, quoi, non non. C'est plus même la merde pour lui, quoi, on va dire. Mais on en a pas fait non plus quelque chose de galère, hein. Mais ça a été un problème, ça. Ben non, mais là, en l'occurrence, ça se passait à Sao Paulo, je crois, et donc dans l'idée, c'était que je voulais quelque chose de pétant, de soleil un peu, tu vois, qui contraste justement avec toute l'ambiance un peu grise. Et puis, c'était pas forcément un flashback, j'allais pas forcément le faire en sépia. Bon, elle est pas si complexe que ça, mais on essaye de faire de la science-fiction, quoi, donc... nous, on a pris le parti pris de raconter des choses un peu politiques, un peu, tu vois... Sérieuse, quand même. Sérieuse et dramatique, ouais. C'est vrai, non, mais c'est plus dur, c'est plus froid que... Oui, oui, que c'est pas du... C'est pas de la SF, c'est pas Valérian non plus, quoi. Valérian, c'était autre chose, encore. Parce que finalement, on nous a comparé à ça, bon, ben bien, mais en gros, non, j'ai l'impression qu'on... On fait quelque chose de plus grave, de plus dur. Moi j'ai adoré les Valérians, hein. C'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Donc. Bonjour, je m'appelle Barbara. Bon bah c'est cool. Et ben on y va ? Ben je crois que les choses les plus intéressantes ont déjà été dites, non ? Non, pas encore. Ah merde, bon, alors on y va. On y va. Allez. Allez. Sérieusement pas trop, hein, parce non que, pas trop, on va faire un peu quand même. Dans la SF c'est plutôt du geek de 45 ans. Tu vois ? Sympa pour nous. Bah les gars, vous avez 45 ans, non ? Ouais, mais. Hein ? Oh, ça va venir. Je sais plus ce que tu m'as posé comme question. Je sais plus d'où on est parti. Ah putain, Jacques, merde. Non, mais je suis pas concentré avec toi. Écoute, Jaco, ça commence à bien faire là. Hein. Ça fait déjà deux heures que ça dure. Bon, allez, on va parler un petit peu. T'étais pas comme ça tout à l'heure avec. C'était qui que t'as interviewé tout à l'heure ? J'ai fait Matt. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu m'as pas vu ? Il était là, Matt ? Il était à côté. Ah merde. Rue de Sable. On t'a lu ? Autrement, je serais pas là, autrement, j'aurais pas chroniqué, autrement, je serais pas venu te voir. Mais je pense que tout le reste, c'est que des flashbacks en fait. Et ça, c'est la seule séquence vraiment dans le présent, quoi. Du moment. Voilà. J'ai rien compris, alors. Ben, c'est compliqué, Orbital. Hein. Au début, comme ça, on croit que c'est simple, que c'est juste de la SF, mais en fait, pas du tout, quoi. Mais Doké, on sait pas très bien si c'est une nana ou un mec. Ah bon ? Ben, elle est pas censée être des deux sexes, non ? C'est pas... Ah ben, je sais pas, moi. Jacques. Oui. Bah voyons. Elle a des formes féminines, d'accord. Oui, elle a des formes féminines. Écoute, j'en sais rien, c'est pas très grave en fait. Non. Il s'en fout. Non. Bah écoute, merci Serge. Bah merci Jaco, alors à bientôt. On s'embrasse. Non. Allez, viens.